Bonjour mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse tous. Êtes-vous dans la joie ce matin? Moi je suis vraiment dans la joie. Le roi David disait en son temps, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et lui, quand on lui disait seulement allons, il était déjà dans la joie. Mais toi et moi, nous sommes déjà dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu veux montrer un peu ton sourire? Est-ce que tu es joyeux ce matin? Si tu étais devant le président Sassou, tu n'aurais pas ce visage-là. Mais ici, il y a plus que le président Sassou. Dieu est parmi nous ce matin. Est-ce que tu le crois? Montre-moi que tu le crois. Si je ne le croyais pas, je ne viendrais pas ici. Je n'ai rien à voir dans une église où Dieu n'est pas présent. Si je suis ici, c'est parce que tout en moi me dit que Jésus est ici. Et comme il est ici, je peux dire au revoir à ma maladie. Je peux oublier les soucis de la vie. Satan, tu ne peux rien contre moi. Si Dieu est pour toi, dis-moi qui sera contre toi. N'aie peur d'aucun sorcier de ta famille. Non, ton Dieu est le général avec 5 étoiles. Les chrétiens qui sont tout le temps la main à la joue ne connaissent rien. Un chrétien est toujours joyeux. Même si je n'ai pas mangé depuis hier, je serai toujours joyeux. Qui nourrit les oiseaux du ciel là-bas? Est-ce qu'il y travaille pour manger? Il y a un Dieu qui prend soin d'eux. Toi, tu as les mains. Toi, tu réfléchis. Dieu ne peut pas t'abandonner. Est-ce que vous le croyez? J'ai beaucoup aimé votre adoration ce matin. Moi aussi, je suis un conducteur de chant. Dieu m'a fait la grâce de travailler dans tous les offices de l'église. J'ai été huissier. J'ai conduit les chants. J'ai travaillé à la technique. J'ai été administrateur. J'ai été trésorier. J'ai été diacre. Président du conseil des diacres. Dieu m'a appelé au ministère. C'est sa grâce. C'est la grâce de Dieu. Et je n'ai pas demandé à travailler où que ce soit. C'est Dieu lui-même qui me fait travailler. Alors je salue le révérend pasteur Paul ce matin. Je salue toute sa famille ainsi que tous les bien-aimés. Est-ce que je peux voir ceux qui nous ont visités ce matin? Oui, les frères et sœurs qui sont arrivés ce matin pour la première fois. Oh, que Dieu soit béni. Moi, je me retrouve parce que j'ai mes invités ici. On avait fait le vœu à Dieu le vendredi soir, chacun d'amener un invité. Que Dieu bénisse ceux qui ont invité des gens ici. Alors, on va gagner le temps, il fait chaud. Comme on est debout, passons directement à la lecture de la parole. C'est pour la parole que nous sommes ici, n'est-ce pas? Prenons le livre de Matthieu, chapitre 16. Le verset 25. Alors, si vous voulez, vous pourrez lire à la maison depuis le verset 24. Moi, je vais courir après le temps. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Marc 8, le verset
35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et de la bonne nouvelle la sauvera. Non. Et celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui voudra perdre sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Est-ce que la lecture de la parole est claire? Nous pouvons prier. Merci Seigneur notre Dieu. Grande est notre joie ce matin de pouvoir nous retrouver dans ta maison. Nous n'avons pas regardé aux occupations de la vie. Nous avons marché sur des rendez-vous importants pour considérer ton invitation. Il a fallu que nous consentissions des sacrifices pour pouvoir arriver ici. Et tu nous as dit par le prophète que derrière chaque sacrifice, il y a une récompense. Alors sois la récompense pour chacun d'entre nous ici ce matin. Toi qui ne changes pas, toi qui es le Dieu immuable, ce que tu étais hier, tu l'es encore ce matin. Tu le seras éternellement. Bénis la lecture de ta parole. Bénis la louange qui est montée vers toi. Et en retour, fais descendre l'onction, la gloire de la Shekinah, pour la seule gloire de ton propre nom. Bénis mon frère ainsi que ma soeur. Bénis les invités qui se sont retrouvés ce matin dans nos quatre. Bénis le pasteur Paul, sa famille, ses officiers, chaque membre fidèle à cette assemblée. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je ne suis rien. Je n'ai aucune intelligence. Je n'ai pas de capacité. Je veux simplement que tu me viennes au secours. Le sort est tombé sur moi ce matin. Alors pour cela, écarte-moi du chemin. Toi, le Dieu vivant, viens nous manifester ta présence. Viens délivrer les captifs. Viens guérir les malades. Viens apporter la paix. Là où il y a le trouble, Seigneur. Viens répondre à chaque question dans nos cœurs. Viens solutionner chaque problème. Envoie la vision du Saint-Esprit. Viens placer sous tes pieds les esprits démoniaques. Viens envahir cette salle de ta présence. Bénis le traducteur. Bénis les techniciens. Bénis les musiciens. Bénis l'épouse à travers le monde entier. Viens nous assister ce matin alors que nous nous recommandons à toi avec humilité, avec crainte et tremblement au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur Tout-Puissant. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, c'est parce qu'il fait beaucoup chaud. J'aurais aimé aller tout doucement. Comme ça, je suis bien compris. Frère Branham me dit quelque part, quand vous faites les choses avec précipitation, vous allez les gaspiller. Mais on travaille aussi avec des principes. Alors, que Dieu nous vienne simplement en aide. J'étais ici le dimanche passé avec vous, n'est-ce pas? J'ai aimé le serment que le pasteur Paul avait donné. Le titre est gravé dans ma mémoire. Nous ne devons pas oublier les choses de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les auditeurs oublieux. Entre parenthèses, le pasteur m'a dit, frère Joël, sois libre. Sens-toi comme chez toi. Voilà pourquoi je me permets de bouger. Est-ce que ça vous dérange? Ça vous dérange? J'ai prié que Dieu ne me laisse pas blesser quelqu'un intentionnellement. Et si ça arrive,
Comprenez que ce n'est pas ma volonté. Parce que pour commencer, je ne connais personne d'entre vous ici. Je ne connais pas vos vies. Dites-vous seulement que le frère est ignorant. Priez pour moi, n'est-ce pas? On ne se tient pas à la chair pour déranger les gens. Mais c'est pour aider les gens. J'ai suivi le message de notre pasteur. Naître dans un ministère. Oh, je t'ai concerné. Parce que moi, je ne suis pas né dans le vide. Je suis né d'un ministère. Je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Mais il y a quelque chose qui avait été dit. Que le mercredi passé, parce que j'étais le dimanche, disons dans la semaine, le pasteur a demandé combien on avait récolté comme offrande. Je pense que c'était 3000 et quelques, on n'a pas atteint 5000. Là où j'étais assis, je me suis retourné pour regarder la salle. Honnêtement parlant, j'étais scandalisé. J'ai dit, comment est-ce possible? Ça vous rappelle, non? Est-ce que c'était ça? Alors, honnêtement parlant, cela m'a inspiré. Et c'est ce que je vais vous dire ce matin. Je suis obligé de commencer par cette pensée avant d'entrer dans mon message. Alors, si ça me prend du temps plus que prévu, je serai obligé d'arrêter mon message là où l'heure me dira d'arrêter pour respecter l'heure qui m'est impartie. Et si Dieu nous donne une autre occasion, je pourrai achever cette prédication. Parce que j'ai dit à Dieu que je ne peux pas prêcher sans leur donner ma contribution. Honnêtement parlant, j'étais très dérangé. 3000 pour une église comme la vôtre, comme offrande. C'est pourquoi il y a la chaleur ici. Le vendredi, j'ai sué dans le bureau. On m'a amené un ventilateur, ça a tourné quelques minutes, c'est tombé en panne. Le frère s'est même excusé et dit, pasteur, on est désolé. J'ai transpiré. Oh frère, honte à vous. Honte à vous. Est-ce que vous savez que nous sommes dans la maison de Dieu? Ça veut dire quoi? Dans l'église, là, il n'y a pas quelqu'un qui est capable d'acheter un ventilateur. Un climatiseur. Moi, un climatiseur. Mettre dans le bureau du pasteur. Ça veut dire que votre Dieu ne bénit pas. Arrêtez de l'adorer. Un Dieu qui ne bénit pas. Un Dieu qui n'agit pas. Ne mérite pas d'être adoré. Vrai ou faux? Vous commencez à vous fâcher. Mais vous ne dites plus amen. Amen. Pasteur, je mens. Mais l'église ne veut plus. Bon, vous êtes fâché que j'arrête. Moi, je ne veux pas déranger les gens. Si ce n'est pas la parole, ne dites pas amen. Mais si c'est la parole, dites amen. Je vais appuyer mes propos avec le message de frère Brennan. Bon, comme vous voulez écouter le message, je passe directement au message. Le thème de ma prédication ce matin. On a lu dans deux passages, la Bible dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ou la gagnera. Dans le mot là, dans le verset là, il y a deux verbes. Le verbe perdre et le verbe gagner. Donc, si tu veux gagner, accepte de perdre. Si tu veux conserver ta vie, tu vas la perdre. Est-ce que quelqu'un veut perdre sa vie à la fin de la route ici? Après avoir payé les dîmes, après avoir transpiré, aller à l'église tous les jours, à la fin tu vas en enfer. Qui veut ça? En tout cas, moi pas. Alléluia. Amen. Quand nous grandissions à l'époque, il y a un jeu de dames qu'on jouait. Un jeu de dames. On appelait ça qui perd, gagne. Qui se rappelle de ça? Quand tu joues à ce jeu, ne joue pas pour gagner. Si tu gagnes, donc tu as perdu. Si tu veux gagner, joue pour perdre. Qui perd,
gagne. Alors c'est cela le titre de ma prédication. L'inspiration ne vient pas du jeu de dames, non. L'inspiration vient de ces deux passages que nous venons de lire. Celui qui veut gagner sa vie, qu'il soit disposé à la perdre ce matin. Perds un peu ton honneur là, ton orgueil là. Si le pasteur presse contre toi, tu te fâches. Au ciel, il n'y a pas la colère. Si on prêche sur la mauvaise vie, tu ne payes plus la dîme. Mais tu dis que tu veux aller au ciel. Qui te dit qu'au ciel il y aura la prostitution? Tu ne payes pas la dîme, pourquoi? Tu ne sais pas que c'est l'argent de Dieu. Là-bas, les voleurs n'entreront pas. Notre thème, c'est qui perd, gagne. Et le croyant est un agneau, vous le savez. Un agneau est toujours disposé à perdre ses droits. Même quand il a raison, il préfère perdre la raison. C'est ça un agneau. Un véritable croyant n'est pas avare. Mon ami, akabolaka jamais. Mais il a le cœur sur la main. C'est-à-dire, si Dieu lui dit dans le cœur, donne 100 000 francs au pasteur, il ne réfléchira pas. Parce que ça doit venir. Le cœur met sur la main, il donne. C'est ça, avoir le cœur sur sa main. Il ne faut pas avoir la main sur le cœur. Le cœur te dit donne 10 000. La main bloque le cœur. La main donne 2 000. Tu n'as pas respecté la conduite du cœur. Dieu te conduit depuis ton cœur. Donc le chrétien authentique a le cœur sur la main. Frère Branham dit quelque part, les pentecôtistes partageront jusqu'à la dernière chemise qui leur reste. Il avait un garde-linge rempli de vêtements. Mais il est pentecôtiste. Qu'est-ce qu'un pentecôtiste? C'est quelqu'un qui a traversé la justification. Il a traversé la sanctification. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc le ciel s'est déjà garanti pour lui. Faites tout ce que vous voulez. La fidélité, il va hériter le royaume des cieux. Alors, la vie, ça ne représente rien pour lui. Mais on avait ça partagé à son frère. Il a 1 million dans son compte. Il peut sacrifier même la moitié pour la boissement de l'œuvre de Dieu. Donc voilà pourquoi, même s'il n'a qu'une seule chemise, il va partager à son frère. Il a déjà gagné le salut. Toi, tu es attaché aux habits parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Tu es trop matérialiste. Tu es prêt à tuer ton frère à cause du matériel. Mais le matériel est là, tu vas aller avec ça. Mais ça va rester sur la terre. Comme un Kuluna. Il va tuer quelqu'un à cause de son propre téléphone. Toi, tu es un pentecôtiste. Tu es un chrétien. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que ce que j'ai vécu le dimanche ici, ça m'a troublé. J'ai dit, mais comment ça? Dans l'église de Dieu vivant. Oh! Ils vont partager jusqu'à la dernière chemise qui leur reste. Ils ne sont pas attachés aux choses immatérielles. Ne nous attachons pas au matériel. Vous savez pourquoi les autres arrivent à l'église en retard? Il est 10h. Lui, il est devant le miroir. Il met la robe là. Il prend la chemise là. Il prend ça là, ça ne va pas. Ne t'en passe. Tu as rendez-vous avec Dieu. Qui t'a dit qu'à l'église on est là pour regarder comment tu habilles?
Toi, tu t'habilles pour impressionner les gens. Qui t'a dit que nous sommes ici pour t'apprécier? Mais tu es poussière de la terre. Plus 5 ans de vie, la vie là deviendra la saleté. Tu viens à l'église en retard à cause des saletés comme ça. Et tu dis que tu vas rencontrer Dieu. Dieu est déjà à l'église, toi tu es encore devant le miroir. C'est quel Dieu que tu peux rencontrer? Si le président Sassou dit, monsieur tel, amenez-le-moi le samedi à 11h. Tu vas arriver à 12h. Dis-moi, tu vas arriver à 13h. Et si 10h sonne, la pluie commence à tomber. Tu vas dire, j'attends d'abord que la pluie finisse. En sachant que Sassou t'attend à 11h. Un problème de révélation. Tu ne sais pas que Dieu est plus important que Sassou. Ne soyons pas attachés au matériel. Ne fais pas trop attention à ton corps là. Ton corps tout entier. Non, ça vaut seulement une cuillerée de la moitié de terre là. Attends quand tu vas mourir. Mais on va aller te retourner à la poussière. Le corps là, tu regardes. Quand tu marches, tu fais. Mais ça va t'amener en enfer. Poussière, tu retourneras à la poussière de la terre. Traite ton corps aussi mieux que tu le peux. Habille seulement des habits chers. Toi, tu mets seulement les parfums de 50 000. Mais le seul merci que le corps là va te donner, c'est la mort. Traite ça comme tu veux. La finalité, le seul merci que le corps te donnera, c'est la mort. C'est la mort. Même si tu ne portes jamais les friperies, tu vas mourir. Si Dieu tarde à venir. Donner fait partie de notre religion, dit Frère Branham. Donner, Kokabola. Kopesa. Ça fait partie de notre religion. Notre religion, c'est le christianisme. Cela signifie que tout vrai chrétien doit donner. Mais nous avons pour modèle Dieu. Jean 3,16 dit quoi? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Le seul fils qu'il avait. Le fils, c'est le cœur. Dieu n'a pas donné le doigt. Un membre de son corps. Donc, il a pris une partie de lui-même. Il a donné gratuitement. Et quand tu donnes réellement, tu souffres. Si tu as 20 000 dans la poche, le panier des offrandes passe. Tu cherches 500, tu donnes. Tu ne sens rien. Mais si tu dois donner les 20 000 là, 20 000, le cœur va baisser. C'est ça qu'on appelle pardonner. Vous pensez que c'était facile pour Abraham de donner Isaac? Vous pensez que c'était facile pour Dieu de donner son cœur? Mais il a fallu qu'il le fasse. Pour que toi et moi soyons ce que nous sommes ce matin. Et toi en retour, pourquoi tu ne veux pas servir Dieu? Même un verre d'eau que vous donnerez à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Oh, presse de l'or. Frère, j'aime Jésus. Je suis allé à Pointe-Noire en mission. Le samedi soir, je devais prêcher le lendemain dimanche. Je devais rentrer le dimanche après-midi. J'ai appelé un frère, Abraham Eyaba. J'ai dit, va m'acheter le billet à l'aéroport de Pointe-Noire. Après la prédication, je dois rentrer à Brazzaville. À l'église, je vais te rembourser ton argent. Il dit, d'accord, Yaya. Le dimanche, je prêche. La prédication termine. Il vient me remettre mon billet. J'ai dit, attends. J'ai pris les 40 000. Je remets.
Sa maman a suivi. Il dit non, frère Joël. Tu ne me rembourses pas. Je dis mais non. J'avais dit que je rembourserai. Je ne veux pas peser sur ton argent. Je ne pars pas prêcher l'évangile pour l'argent. Frère Branham dit, si vous êtes vraiment appelé, tu n'iras pas pour de l'argent. Si on me donne, je bénis Dieu. Si on ne me donne pas, ce n'est pas un problème. Si Dieu veut me donner, il me le donnera. Non, je ne prêche pas pour ton offrande, non. C'est ce que le pasteur a dit. S'il ne regardait qu'à l'argent, il ne prêcherait plus. Moi, j'ai écouté ça. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas donner. Tu dois donner. Soyez équilibré. Je vois le pasteur moi avec une seule aile. Tu es un aigle. Tu vas tomber. Tu n'auras pas d'équilibre. Dieu a dit, mais il a aussi dit. La sœur a dit, frère Joël. Toi, tu as demandé rembourser. Mais moi, cher Solange, comme mon fils me l'a dit, j'ai dit, frère Joël n'est pas venu se balader ici pour nous prêcher. Prends les 40 000, va acheter. Tu ne me rembourses pas. J'ai dit que Dieu te bénisse. Je cite les noms, hein. Je sais que le monde entier me suit. D'ailleurs, c'est un témoignage que mon église connaît. Je le culte fini. Demain matin, je suis à la. Non, je devais quitter lundi à 7h tôt le matin. Pendant que je suis dans la salle d'attente, attendons l'embarquement dans l'avion. Le téléphone sonne. Je regarde Sœur Solange. Je dis, ma sœur, que Dieu te bénisse. Dis, frère, je t'avais dit quoi? Ton Dieu est vivant. Il dit, le Dieu de Branham est vivant. Dit, il a fait quoi? Voilà le Dieu que moi j'aime. Le Dieu qui bénit. Et quand Dieu me bénit, moi je bénis son travail. Il dit, tu sais, hier après l'église, mon grand frère m'appelle au téléphone. Il dit, Solange, je viens m'accompagner dans les courses au centre-ville. On a tourné, tourné, tourné. Après, il me dépose chez moi au portail. Quand il me dépose, il me tend une enveloppe. Je rentre dans la maison. Quand j'ouvre l'enveloppe, demandez-moi c'était combien. Ni plus ni moins 40 000 francs CFA. Dieu lui a restitué les 40 000. Il dit, Dieu est vivant. Et il dit, les 40 000 francs que je t'ai acheté le billet, c'était de l'argent qu'on avait mis de côté pour payer le collage des enfants à l'école. Dieu n'avait pas-il vu cela? Dieu a remboursé. Dieu ne doit jamais quelqu'un. Et très souvent, quand il rembourse, c'est avec un bonus. Prêche de l'or. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi très bien. Dieu ne ment jamais. Jésus est digne de ta dîme. Jésus mérite ta dîme. Jésus mérite ma dîme. Jésus mérite ton offrande ce matin. Oh, pas seulement ce matin. Chaque fois que tu viens ici, Jésus mérite tes dons. On dirait que vous ne dites pas bien amen. Comme vous, vous aimez trop le frère Branham. Écoutez, frère Branham dit dans l'agneau et la colombe, un homme, un frère est venu me voir. Il m'a donné une offrande de 900 millions de francs CFA. 900 millions de francs CFA. C'est-à-dire presque un milliard. On ne dit pas que c'est la dîme. Parce que quand tu payes la dîme, tu ne donnes pas au pasteur. C'est l'argent de Dieu. Et l'offrande là n'était pas payée quand le panier. Non! Dit, pasteur, je viens t'offrir une offrande d'action de grâce. Écoutez-moi très bien. 900 millions de francs CFA. 900 millions de francs CFA. Donc, presque un milliard. Un milliard. Allez-y lire, je vous ai donné le titre du serment. Frère Branham me dit, un autre, celui-là, ce n'est pas un frère. C'est un membre de la FBI. La sécurité d'État américain.
Branham voulait construire le Branham Tabernacle. Ce monsieur-là vient voir Frère Branham. Ouvrez bien les oreilles. Il a donné 3 milliards en francs CFA. J'ai déjà converti à votre place. Quand vous allez lire, c'est en dollars. J'ai fait la conversion. 3 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA. Frère Branham dit, tout cet argent, ça y est là. Quand, là où il était là. Un individu. Toi et moi, nous pensons, quand tu as donné 100 000, donc tu as beaucoup donné. Toi, tu peux donner beaucoup à Dieu. Le souffle de vie que Dieu te donne. Tu peux évaluer son prix. Depuis que tu es né jusqu'au tu respires, tu le payes pas. À combien d'accidents Dieu t'a-t-il préservé? Quand tu étais né, tu étais le seul à naître ce jour-là. Les gens qui sont nés la même minute que toi sont-ils encore en vie aujourd'hui? Mais pourquoi toi tu vis encore? Est-ce que tu payes Dieu pour vivre? Mais c'est la grâce de Dieu. Tu sais combien de fois les sorciers de ta famille ont monté des complots pour te trépasser. Et quand le 31 décembre passe, ils te voient toujours en vie. Ils se demandent, mais comment ce monsieur est? C'est la grâce de Dieu pour toi. Est-ce que tu le crois? Ton Dieu est vivant. Donne Dieu sa valeur. Une petite église comme la vôtre. Mais terminez cette église-là. Climatisez cette église-là. Pasteur, vous me permettez? C'est des choses que je n'aime pas dire. Moi, je n'ai pas encore annoncé publiquement que je vais commencer l'œuvre. Quelqu'un est allé m'offrir une parcelle là à Wendé. Dit gratuitement. Tu ne me payes pas 5 francs. Pendant tout ce temps. Un païen, ce n'est pas un frère du message. Et là où je suis là, les gens sont en train de construire un tabernacle pour moi. Le bâtiment est déjà achevé. Je n'ai pas encore dépensé 5 francs de ma poche. Bon, je ne veux pas continuer. Parce que je veux pas. Je parle pour vous montrer que je ne parle pas pour parler. Vous avez déjà fait un joli travail. Mais ne pensez pas avoir trop fait pour Dieu. Non! Ayez l'œil pour lire le besoin dans la maison de votre Dieu. Surveillez votre pasteur. C'est l'ange que Dieu a placé ici pour vous. La Bible dit dans Galates 6, celui à qui l'on enseigne la parole doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Quand tu donnes la dîme, tu crois que tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Ça, c'est l'argent de Dieu. Mais son serviteur, le dépôt, la maison de Dieu, c'est le pasteur qui connaît les vrais besoins de l'église. Toi, tu peux prendre une chemise, tu vas donner à tel frère. Mais c'est le pasteur qui connaît le vrai frère qui est vraiment démuni, qui a besoin d'un appui. Il est berger de la bergerie. Frère, toi tu ne peux pas changer le message de frère. C'est comme ça le message. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu aurait pu prendre même mon frère ici. Il a dit, pasteur Paul. Il a placé comme surveillant ici. Obéissez à la volonté de votre Dieu. Je ne sais pas si jusque là ça vous fait du bien. Alors, vous savez, je vais terminer par ce témoignage parce que le temps passe. Il me reste seulement une heure du temps pour mon enseignement. Vous comprenez que tout ça, ce n'est pas mon message. Tout ça, là, c'est vous qui avez amené ça. Parce que moi, j'ai dit, mais comment une église? On fait l'offrande, on récolte 3 000. Oh, comment ça? Moi, quand je pars faire laver ma voiture, c'est 1 000 francs.
Des fois, quand ça me pique là, mon petit, écoute, prends même 2000, 3000 avec majoration. Attends, le chrétien, c'est quelqu'un qui bénit les autres. Quand je le fais à quelqu'un qui a lavé seulement ma voiture, à celui qui me donne même l'argent, la vie. Donc ici, là, personne, Dieu ne bénit personne ici. Toi, tu as l'argent seulement pour t'habiller bien. Pour manger tous les jours. Tu ne dois jamais. Mais pour les affaires du Père, non. Si on ne prêche pas contre ça. Ce si le pasteur ne parle pas. Frein. Le frein là. Les patins là, il y a eu ici. Là, comme ça. Et arrête de penser que quand tu donnes, tu vas enrichir. Le pasteur est déjà riche. Non, la richesse du pasteur, c'est qu'il a le Saint-Esprit. L'évangile doit marcher avec l'argent. Sans l'argent, c'est difficile. Voyez, quand on prêche là, on transpire. Mais demain, je ne peux plus remettre la chemise là. Non, il y a la sueur. Donc ça doit aller au pressing. Frère Branham me dit que les ministres, les prédicateurs doivent avoir des habits de qualité. Parce que la sueur là, ça gaspille vite les habits. Mais il va trouver ça où? Mais c'est à vous. Ils ne sont pas en habits. Si vous lisez le message, si vous croyez le message, le pasteur là ne doit même pas aller chercher les habits. Avec beaucoup d'enfants comme ça. Moi j'étais allé à Paris. L'année passée, j'ai prêché. Il y a une fille, il ne m'a même pas écouté. Elle était très loin à Tours, à 4 heures de route de Paris. Il appelle son grand frère, il dit, prends le frère là, Joël, amène-le dans un bon magasin à Paris. Qu'il choisisse un costume, chemise, bien. Un costume, la chemise, bon, madame. Ça a coûté plus de 250 000. Je vais à Nantes, je prêche, un frère m'amène une chaussure toute neuve là. Frère, mais vous pensez qu'on le fait parce que c'est le frère Joël? Les frères là savent pourquoi ils le font. Et comme moi je porte ça, je ne bénis pas Dieu. Comme je suis propre devant toi comme ça. Là, ça fait pas bien. Frère Branham me dit que nous nous habillons comme ça, cravate, c'est pour votre respect. Vous voyez? Et Dieu ne peut pas, Dieu ne voit pas ces dons-là, il ne bénisse pas ces gens-là. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, il y a un vieux apothicaire. Donc, c'est un vieux, dans le temps, on appelait apothicaire. Aujourd'hui, c'est le pharmacien. Voilà, dans le temps, le nom, c'était apothicaire. Il était dans son bureau, dans sa pharmacie. Son fils à la caisse. Un vieux aveugle entre avec son fils qui le guidait. Avec une ordonnance. On est allé rassembler les médicaments qui étaient demandés sur l'ordonnance. On a emballé dans le sachet. On a dit, papa, payez l'argent. L'enfant a dit, il est aveugle, nous n'avons pas l'argent. Nous sommes des pauvres. On est venu demander seulement. Le fils, quand il a entendu ça, du pharmacien, il est allé ravir le sachet. Il dit, nous, on ne fait pas des dons gratuits. Nous sommes des commerçants. Voyez, quand il a parlé comme ça, son papa dans le bureau a écouté. Pendant que le vieux aveugle sortait avec son fils pour partir, le papa vient. Papa, il dit, rappelez-moi ce vieux-là. L'enfant a ramené son papa aveugle. Il dit, remettez-moi tous ces produits-là dans le sachet. Le papa lui-même, le pharmacien, a pris ça. Alors, papa a tendu les mains comme ça. Papa tient le boko. Pendant que le vieux pharmacien lui-même, le pharmacien, déposait le sachet des produits sur les mains de ce papa. Vous savez, quand tu déposes, tu vois, non? Sur les mains, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'image de Jésus d'Offman. Sur les mains de ce papa. Et pendant qu'il déposait les produits, les larmes ont commencé à couler. L'enfant et les travailleurs ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il y donnait gratuitement.
Et quand papa est parti, il a dit merci. Quand papa qui a lui m'a tondi. Il a dit à son fils. Abina moi naé. Tu sais à qui tu as refusé ces médicaments? Il dit c'est à ce papa aveugle. Il dit papa on couvre miso. Il dit tu sais maintenant à qui moi j'ai donné? Il dit c'est à ce papa, il dit non. La papa ôté. C'est à Jésus que j'ai donné. Et ça naé sur le napesi. Même un verre d'eau que vous donnerez à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Arrêtez de penser que les prédicateurs, c'est des souffrants qui parlent pour vous. Vous si on ne prêche pas comme ça, tu ne seras pas béni. Voilà, quand tu prêches comme ça, là, les choses viennent. Un pasteur camerounais. Quand il a commencé le travail, il a fait des années sans prêcher sur la dîme. Comme il avait un travail, Dieu l'avait déjà béni. Je ne prêche pas la dîme. Et l'église aussi ne prospérait pas. Les gens toujours malheureux. Un jour, Dieu lui a parlé par une voix audible. Il dit Robert. Robert. Le pasteur Robert Kamte, ancien, vous le connaissez. Voilà, j'ai cité le nom. Il dit, tu es orgueilleux, toi. Il dit, oh, je suis seul. Deuxième fois, Robert, tu es un orgueilleux. Il a compris que c'est Dieu qui le parle. J'ai fait quoi? Pourquoi ne prêches-tu pas l'église à ton église? Il dit, voilà pourquoi ton église n'est pas bénie. C'est toi qui es responsable. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Il s'est repenti. Le prochain culte. Il a commencé à prêcher la dîme. Frère, 6 mois seulement. Il fallait voir les promotions dans l'église. C'est comme si on a ouvert le robinet de bénédiction. Donc, ne pensez pas que quand on prêche, c'est... Non! Vous pensez que Dieu pour bénir le pasteur Paul, il vous attend? Attila a été béni comme un milliardaire. C'est après qu'il a commencé à prêcher. Quand il a été béni, il était pauvre. Je n'ai pas le temps. Si je rentre là-bas, on va perdre le temps. Frère, on ne peut pas servir Dieu les mains comme ça. Non. Frère, c'est pas ça. Si tu as les citations qui me contredisent, amen, il est moi. Il n'y en a pas, frère. Dieu, tu dois lui donner. Je ne crois pas qu'il a déjà tout. Dieu, il a dit, donner fait partie de ma religion. Les musulmans, ils donnent. Mais les chrétiens ne donnent pas. Non. Alors, qui perd, gagne. Tu ne donnes pas parce que tu ne veux pas perdre. Vous savez, même en matière d'affaires, dans les affaires, si tu as 1 million aujourd'hui, tu as peur d'investir ça dans le commerce. Toi, tu gardes. Non, non, non. 2, 3, une année, tout, ça va finir. Parce que quand l'enfant va tomber malade, tu vas prendre. Quand il y aura un problème, tu vas prendre. Mais si tu veux que ça se multiplie, il faut l'investir. Mais le meilleur investissement, c'est dans les affaires de Dieu. Alors maintenant, qui perd gagne. Qui est disposé à perdre ce matin ici? Moi je veux être le premier à perdre pour la parole de Dieu. Celui qui veut perdre, il n'a qu'à me montrer sa main. Moi je veux perdre ma popularité pour la parole de Dieu. Le pasteur a levé sa main. Je veux accepter les moqueries à cause de ce message. Même si toute la famille m'abandonne pour le message, je préfère perdre toute ma famille. Parce que Jésus a dit dans la Bible, quand vous serez abandonné par votre famille, je vous donnerai une nouvelle famille. Et l'histoire que nous venons de lire, il y avait un monsieur qui s'appelait Amram. Il a couru. Amram est rentré des corvées en Égypte, il était très fatigué.
Il a dit à sa femme Jochebed. Attache nos ceintures, maintenant on va décoller. Il dit, chérie, je suis très fatigué. Jochebed a dit, monte à l'étage, je vais te reposer. Il a dit, si tu savais ce que moi j'ai vu aujourd'hui dans les corvées égyptiennes là-bas, tu n'allais pas parler comme ça. Elle a mis les enfants au lit. Amara dit, attends que les enfants dorment, je vais te parler. Ça signifie que tout ne se dit pas en présence des enfants dans la famille. Notre message, il y a même l'éducation dedans. Amram dit, quand les enfants sont allés dormir, il dit, chérie Jochebed, tu sais aujourd'hui, nos enfants de moins de 12 ans, ils étaient encore des mineurs. Ils étaient fatigués de la corvée. Parce que Pharaon faisait travailler tous les Hébreux, du vieillard jusqu'au plus petit enfant. Ça veut dire que le diable n'a pas pitié de toi. Le diable n'est pas un membre de ta famille. Ne te joue pas avec le diable. Quand il a l'occasion de te frapper, il va te frapper pour te tuer. Voilà pourquoi frère Branham me dit, il faut fuir le péché. Fuyez le mal. Il faisait la corvée très fatiguée. Un homme s'est mis à fouetter les enfants au dos. Le sang s'arruisselait sur leur dos. Amram avait le cœur déchiré. Il dit, je prie, c'est comme si Dieu a fermé ses oreilles. Et pourtant nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un est déjà passé par de tels moments où une épreuve t'amène à prier, à jeûner, à pleurer? Mais c'est comme si Dieu a fermé ses yeux. Et le diable commence à te dire, oh, mais ce Dieu-là n'existe pas. C'est ce qu'il avait dit à frère Branham. Mais si Dieu t'aimait, mais il a laissé mourir ta femme, il a même ravi ta fille, arrête seulement de le servir. C'est ce que le diable te dit. Mais si Dieu est Dieu, mais toi tu as étudié, mais pourquoi il ne te donne pas du travail? Une belle fille. Mais pourquoi le mariage ne vient pas? Tu pries, tu jeûnes. Tu ne sens même pas la présence de Dieu. Ne te trompe pas. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est absent. Le silence de Dieu dans ta vie ne signifie pas qu'il est mort. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est faillible. Jésus ne faillit jamais. Il dit, on dirait que Dieu a fermé ses oreilles. Je m'en vais prier dans la chambre haute. Donc, toute la journée, Amram travaillait durement. Je vais vous dire quel était son travail. Parce que si toi, tu travailles du matin à 16h, c'est une raison pour ne pas venir le cuit au soir. Oh, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu as fait pour être fatigué? Qui a dit que toi, tu travailles? D'abord, ici au Congo, les gens sont des paresseux. Ah, bah, toi, c'est pas paresseux. Là où les gens travaillent, c'est en Europe, là-bas. Est-ce que toi, ça, les gens ne travaillent pas? Nous, on part au travail à 10h. À 12h, 13h, on commence à rentrer. C'est ça, travailler. Et quand on est même là-bas, des fois, on n'a rien à faire. Mais moi, je suis travailleur de l'État, je vous le dis. Tu peux travailler à l'État, le Bébino. Tu peux faire même un mois, tu arrives, tu n'as pas le temps. Quand tu rentres là pour tromper ta femme, tu fais semblant. Tu es fatigué, tu vas faire quoi? On arrive à l'église, tu dors. Pasteur, mon action est mauvaise. Excusez-moi. Chacun a sa façon de parler. Il est allé prier toute la nuit. Après avoir travaillé durement toute la journée. Il dit, avec des épreuves comme ça, comment moi je vais trouver le sommeil? Toi, tu as des épreuves dans la vie, tu ne fais que dormir, tu ne pries jamais. À 4h du matin, sa femme a eu même pitié de lui, dit chérie. Toi, tu crois que tu es le seul hébreu ici. Il y a aussi d'autres frères qui prient pour ça. Repose-toi. Il dit,
Ça, c'est mon problème personnel. C'est là où Frère Branham me dit, ne crie pas haut chez nous, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, sens-toi concerné. Amram m'a dit, je prierai jusqu'à ce que Dieu descende. C'est cela qui doit être notre décision. Amram avait un travail difficile. Je commence à vous dire son travail. Je surveille la montre. Dieu m'aidera à atterrir avant l'heure. Vous savez quel était le travail d'Amram? Il devait prendre les briques. Hein, battues en terre jaune là. Aller plonger ça dans la fournaise ardente. Pour les cuire. Ensuite, il doit les sortir. Là où il y a le feu. Le feu là où on avait plongé les trois jeunes Hébreux. Et les briques là devaient servir à quoi? Construire les tours dédiées aux idoles des païens. Un chrétien. On l'amène à travailler pour. Donc c'est comme si on te met dans une boîte de nuit. Il n'avait pas le choix. Il était un esclave. Il était obligé. C'était la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas ton cas. Toi, tu n'es pas obligé d'aller travailler dans un hôtel. À la brasserie Primus. Toi, tu n'as pas l'obligation. Jésus, c'était l'obligation. Le frère Branham me dit, la chaleur de la fournaise ardente risquait même de lui enlever la peau du corps. C'était dur. Vous savez que la chaleur, ça épuise. Quand tu transpires, là, c'est la chaleur. Quand l'eau sort, tu deviens hydraté, ça te fatigue. Voilà pourquoi quand un enfant fait la diarrhée, il faut le renforcer avec l'eau salée. Parce que l'eau qui sort là, ça t'affaiblit. Donc, tu passes une journée de dur labeur. Tu reviens à la maison. Toute la nuit, au lieu de se reposer, il prie. Ou je meurs, ou Dieu vient mettre fin à mon épreuve. C'est ça la vie chrétienne. Qui vous a dit que la vie chrétienne c'est une vie de facilité? Qui vous a dit ça? Quand il est rentré à la maison, il priait. Il priait toute la nuit. Alors un jour, il a entendu une mauvaise nouvelle là-bas dans les corvées. Que le roi Pharaon avait appelé une grande réunion, un conseil de tous les généraux égyptiens. Et quel était l'objet de ce conseil? Quand Amram a écouté ça, en rentrant à la maison la nuit, il était abattu. Jochebed a dit, chérie, je t'ai préparé un bon souper, mais tu es tout fatigué. Il y a encore quoi? Il dit, si seulement tu savais ce qui se passe maintenant. Le roi a rassemblé tous ses généraux. Ce soir même. Il a dit, le peuple hébreu ne fait qu'augmenter en nombre. Bientôt, ils vont même nous dépasser. Et ils vont détruire notre royaume d'Égypte. Il a posé la question. Il dit, il était fâché. Il dégageait la haine. Il dit, vous les généraux, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, la salle était silencieuse. Comme au cimetière. Il dit, un général élève la main. On lui donne la parole. Il a dit, roi, on va les accabler encore davantage de corvées. Il n'a même pas fini de parler. Le roi a dit, tais-toi, imbécile. Si c'est tout ce que tu as comme idée. Il travaille là, mais il ne cesse pas d'augmenter en nombre. Je ne veux pas de cette idée là. Et tous les généraux, ça tremblait. Il y en a qui pissaient même déjà dans les habits. Frère Branham me dit, un autre général Moussousou, il s'est levé. Écoutez, frère Branham dit, il avait le visage semblable à un démon. Quand il a pris la parole, écoutez ce qu'il a dit. Il dit, roi, moi j'ai une idée pour arrêter le peuple hébreu d'augmenter en nombre. Il dit, on va prendre les femmes stériles égyptiennes. Ma maman est combat.
Toi, tu n'es pas une femme stérile. Dans la maison de Dieu, il n'y aura pas de femme stérile. Si tu attends l'enfant chez toi, c'est seulement une petite épreuve. C'est comme Anne. Anne n'était pas stérile. Dieu voulait seulement manifester sa gloire. Donc aujourd'hui, le pasteur va prier pour toi. Ça va finir. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, reçois déjà l'enfant que tu as. Amen. Moi, après mon mariage, j'ai fait pratiquement une année sans enfant. Les gens ont commencé à se moquer de moi. Mais le Dieu qui n'abandonne jamais, il a ouvert. Aujourd'hui, j'ai 5 enfants. J'ai même peur des hommes. J'ai dit, Seigneur, ça suffit, ça suffit. Quand Dieu décide de te bénir, les moqueurs là vont commencer à avoir honte. On ne se moque pas des enfants de Dieu. Il dit, prenons les femmes stériles. Parce que la femme stérile n'a pas un cœur. Il dit, on va leur donner la mission de tuer tous les bébés hébreux. Chaque fois qu'un enfant hébreu mâle, donc de sexe masculin, naît, que ces femmes-là les prennent pour aller les jeter dans le fleuve, le Nil. Comme ça, ça va engraisser nos crocodiles et nos alligators. Ça, c'est pas l'idée d'un démon. Le roi a souri. Il dit, ah, général, voilà un vrai général. Dans la général à toi, tu connais. Yo, yo, yo. Maintenant même, je te nomme superviseur de cette mission. Sans tarder, allez-y, faites-moi le travail. Okay. C'est ça la nouvelle qui avait abattu Amram. Toi, quand tu entends qu'on menace le pasteur, tu es même content. Ah, frère, infiltré dans le camp. Tu seras démasqué. Quand tu entends que le pasteur est malade, tu es même content. Frère en Christ. Quand un seul membre du corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. C'est pourquoi Amram ne pouvait pas avoir la force de dormir. Il était hébreu. Et les hébreux étaient menacés de mort. Il dit, avec une telle nouvelle, comment moi je vais trouver le sommeil? Alors il priait. Oh mon frère. On a commencé à tuer les enfants. Les femmes là passaient de maison en maison, prenaient les bébés de moins de 2 ans, allaient les jeter dans le monde. C'est pas une histoire, c'est la réalité. La Bible ne raconte pas des histoires. Comme ça, on va voir comment ils vont encore se multiplier. Si dans une maison, vous êtes deux, dès que tu mets l'enfant, on le tue. La famille là, vous resterez seulement deux. Et c'était comme ça. Alors, il dit, Jochebed, c'est la décision que Pharaon a prise. Et cette nuit-là, il est allé prier jusqu'à ce que. C'est comme ça que tu dois prier. La prière, c'est jusqu'à ce que tu trouves la réponse de Dieu. Frère. Et on jetait les enfants. Le frère Branham dit, la chose là se fait encore aujourd'hui. Tu vas me demander, mais est-ce qu'on prend encore les enfants des chrétiens pour aller les jeter au crocodile? Frère Branham dit, quand tu avances, tu es comparable à ces femmes sorcières. Et quand tu avortes les grossesses, tu ne te réponds jamais. Tu seras rattrapé un jour. Frère Branham dit, il m'arrivait souvent, pendant que je recevais les gens, pendant la réception, les femmes venaient devant moi, pendant qu'elles me parlaient, moi j'entendais les cris des bébés derrière elles. Mais comme c'était un prophète, Dieu lui montrait que la femme là avait avorté. Le bébé là t'attend là-bas. Tu répondras de cela. Tu es une femme sorcière. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. L'avortement n'est pas chrétien. Même si le gouvernement valide ça, toi tu es chrétien. On jetait les enfants. Après, Amram a
prié, prié, prié. Jusqu'à avoir un rêve. Il a vu un ange devant lui. L'ange avait une épée. L'ange a pointé l'épée en direction du nord. Il dit, Abraham, lève-toi. Et suis tes larmes. Je suis venu de la présence du Très-Haut pour t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu m'a chargé de t'annoncer. Il a écouté tes prières. Tes prières l'empêchent maintenant de se reposer. Il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Il m'a envoyé pour t'annoncer qu'il va envoyer un libérateur pour son peuple. Arrête de pleurer. Oh, prince de l'or. Tu as tellement pleuré. Tu as tellement gémi. Ce matin, Dieu m'a envoyé ici pour t'annoncer que c'est la fin de la maladie. Que c'est la fin de l'épreuve. Que c'est la fin de la galère. Que c'est la fin des tourments. Que c'est la fin des maris de nuit. Que c'est la fin des femmes de nuit. Est-ce que tu le crois? Amram se lève. Il va appeler Jochebed. Il dit, chéri, viens. Tu sais quoi? L'ange est venu me visiter. Voici ce que l'ange m'a dit. Oh, prince de l'or. Il va encore au travail. Là-bas. À la fin de la journée, le roi appelle encore une autre réunion. Amram entend la fuite. Il arrive à la maison. Il était encore fatigué. Il dit, mais chérie, mais tu m'as dit que l'ange t'a visité. Mais d'où vient que tu es encore fatigué? Il dit, je crois toujours à l'ange. Le pharaon a changé de tactique. Frère Nami dit, quand le diable travaille, Dieu aussi travaille. Il dit, qu'est-ce qu'Aïl a dit? Pharaon a demandé. Malgré que nous jetons les enfants dans le fleuve. Mais je ne comprends pas comment, de manière surnaturelle. Notre Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Il ne faut que je multiplie. Trouvez-moi une autre idée. Le même vieux gars au visage de démon s'est levé. C'est ce que Frère Branham dit. Il a dit, roi, ne t'embête pas. Moi, j'ai l'inspiration de Lucifer. Il dit, cette fois-ci, au lieu qu'on fasse travailler seulement les hommes hébreux, on va faire travailler aussi les femmes hébraïques. Elles doivent aussi aller préparer les briques dans la fournaise ardente. Le roi a dit, mais ça va faire quoi? Le roi écoute seulement. Tu sais que le travail là, ça épuise. Du matin au soir. Quand elles vont finir le travail le soir, elles seront tellement fatiguées que quand elles vont rentrer à la maison, elles ne pourront plus faire ça. Quelqu'un a compris? Parce que pour faire ça, il faut être fort. Comme maman est fatiguée, même si papa vient, je suis fatigué. Mais si on ne fait pas ça, comment les grossesses vont arriver? Le roi a dit, vraiment, ça c'est quelqu'un. Alors on a fait travailler même les femmes. Jochebed aussi commençait à aller fabriquer les briques. Amram a dit, tu vois maintenant la souffrance que moi je vis. Mettez-vous à la place de l'autre. Pour comprendre sa douleur. Alors quand ils sont rentrés, Amram est allé prier cette fois-ci. Il a prié, prié, prié. Je suis à 30 minutes de la fin. Quand il a prié, l'ange est descendu. Il lui a donné une formule donnée. Quand il est sorti de cette vision, au lieu d'aller directement dans la chambre, il est descendu dans la cave de la parcelle. Il s'est mis à fabriquer une certaine chose. Après, il est monté dans la chambre. La femme faisait semblant de dormir. Lui, il croyait que la femme dormait. Il a soulevé le drap.
il a enfoui la chose là sous le gars. À ce moment-là, Jochebed s'est réveillé. Il dit, mais Amram, tu étais où? Au lieu de descendre ici, je t'ai vu aller sous la cave. Mais tu fabriquais quelque chose. Mais tu as mis quoi sous le drap? Il dit, c'est un petit panier en roseau. On dirait que les gens ne lisent pas le message ici. Je vais changer comment dire ça. Qu'est-ce que tu as mis là-bas? Il dit, c'est un petit bateau. Il dit, mais ça sent mauvais. Il dit, je l'ai enduit de bitume et de poids. Le bitume et le poids, c'est ce que nous on appelle le goudron. Le macadam. Vous voyez, quand on arrange le goudron là, quand on met la substance noire là, ça sent mauvais, non? Il dit, c'est ça que j'ai appliqué tout autour de ce petit bateau. Il dit, c'est un petit bateau qui n'a pas de capitaine. C'est un petit bateau qui n'a pas de moteur. Mais cependant, il va transporter la cargaison la plus chère au monde. Et là, Jochebed venait d'accoucher. Bébé avait 3 mois. Alors Amram dit, chérie, l'enfant qui est né là, c'est l'enfant que Dieu m'avait promis par l'ange. Jusque là, bébé là n'avait pas de nom. Amram, sachant que les femmes passaient prendre les bébés pour les tuer, il était allé aménager une cachette dans le mur de la maison. Il a fait un trou, un gros trou dans le mur. Il cachait l'enfant là-bas, met quelque chose dessus. La femme a dit, chérie, mais les femmes vont venir. Il dit non, les femmes là sont venues chez Amram. Elles ont fouillé toute la maison du frère Branham. Elles n'ont pas trouvé l'enfant. Frère Branham dit, elles sont arrivées même là où il y avait la cachette. Elles ont touché. Ils n'ont pas vu l'enfant. Ce qui est caché dans la main de Dieu, même Lucifer ne peut pas le revivre. Elles sont sorties, elles sont parties. Frère Branham dit, c'est alors. Amram dit à Joseph, maintenant, si nous gardons l'enfant là ici, elles vont revenir, nous allons le perdre. Mais si nous voulons le garder, on va le perdre. La femme a dit, on va faire quoi? Il dit, on va le mettre dans ce bateau que j'ai fabriqué. On va aller le placer sur le fleuve Lénine. Oh Jésus! La femme a dit à Amram, tu es un koulouna, mais tu es cruel. Et les crocodiles vont manger mon fils. Amram a dit, le Dieu qui nous a donné ce bébé, c'est le Dieu qui a créé le crocodile là-bas. Il va fermer leur bouche. Jochebed a dit, vous savez les mamans pour leur bébé, non? Il dit, pas question avec mon bébé. Amram a dit, c'est moi le mari, le chef de la maison. Alors frère Branham dit, on a pris le bateau. Amram a soulevé l'arche. Jochebed a soulevé le bébé. L'arche signifie la parole. Ça veut dire quoi? Maman, c'est à toi de prendre soin de bébé à la maison. Le travail de papa, c'est de méditer la parole de Dieu. La femme typifie l'église. L'église laisse le pasteur méditer la parole. Toi, prends soin du pasteur et de l'église. Ils avançaient avec des larmes aux yeux. Pourquoi ils pleuraient? Parce qu'ils devaient aller donner à Dieu quelque chose de précieux. Myriam et Aaron, les frères, étaient là. Myriam a dit, papa, vraiment tu vas laisser l'enfant au crocodile? Il dit, Dieu m'a donné les instructions. Même si papa parle, c'est ce que Dieu dit qui compte. Même si mon mari me dit, ne va pas à l'église, je fais ce que Dieu me dit de faire, parce que Dieu aura toujours raison.
Ils sont arrivés tout près du Nil. Maman a pris son bébé. Jusque là, bébé n'a pas de nom. Maman a allaité bébé pour la dernière fois. Après, il a embrassé son bébé. Il a dit, mon trésor, que Dieu te bénisse. Frère Branham dit, quand on te dit que Dieu te bénisse, cela signifie que Dieu t'accorde tous les désirs de ton cœur. Moïse et ton bébé avaient des désirs dans son cœur. Quand sa maman a dit que Dieu te bénisse, Dieu aussi elle a dit Amen. Les désirs sont déjà accomplis. Myriam et Aaron ont embrassé leur frère. Papa pleurait, il s'est mis à genoux pour faire la dernière prière. Avec les larmes aux yeux, il a pris le panier. Il a placé sur le Nil. Là où il y avait les crocodiles. Frère Branham dit, maintenant, tournons nos caméras vers le ciel. Il se passe quelque chose sur la terre. Au ciel et là-bas aussi, il se passe quelque chose. Le frère Branham dit, je peux voir le grand Jéhovah agirer. Il était assis sur son trône. Quand tu pleures, Dieu n'est pas tranquille. Quand Dieu a vu Amram pleurer pour vivre sa parole, cela a bousculé le cœur de Dieu. Et puis Dieu s'est mis debout. Dieu a appelé Gabriel, où es-tu? Gabriel dit, mais voici Seigneur. Frère Branham dit, chaque fois que tu reçois la visite de l'ange Gabriel, il y a quelque chose de spécial qui doit arriver. Dieu a dit, Gabriel, sur la terre là-bas, il y a encore des gens qui me font confiance. Il dit, Gabriel, viens. Regarde là-bas en Égypte. Regarde à côté du Nil. Il y a un papa là. Qui est à genoux. Avec des larmes aux yeux. Est-ce que tu le reconnais? Gabriel a dit, je me rappelle de lui. Il m'avait envoyé chez lui une nuit. Je l'avais trouvé à genoux en train de prier. Il dit, voilà, c'est de lui qu'il s'agit. Je vais faire quoi? Dieu a dit, j'ordonne moi-même le chef des armées célestes que 10 000 anges bien armés soit placé à gauche et à droite de l'arche de Moïse. Le frère Branham dit, Gabriel a pris la trompette. Gabriel a dit, papa, 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 papa. Il dit, sur le champ, 10 000 anges sont arrivés. Gabriel a fait la disposition. Gabriel. Il dit, 10 000 à droite du bateau, 10 000 à gauche. Il dit, Gabriel a regardé Dieu. Gabriel a dit, il dit, mais toi-même tu seras où? Frère Branham dit, Dieu est toujours au poste récepteur. Oh, prenez-le. Amen. Alors, le bateau commençait à naviguer. Encadré par 10 000 anges invisibles. C'est comme ça que ta sorcellerie, tu ne peux rien contre moi. L'ange de l'Éternel se tient ici. La colonne de feu est ici. Donc l'arche partait. Amram est allé à la maison. Il a dit, Myriam, nous avons déjà confié l'enfant à Dieu. Nous l'avons déjà perdu. Laissons Dieu faire cette affaire. Le chrétien ne se bat pas. Le chrétien ne se débat pas. Laisse les gens dire tout ce qu'ils veulent. Dieu prouvera qu'il est Dieu. Myriam a dit, papa, allez-y vous. Moi, je resterai ici. Alors, à mesure que le bateau allait, Myriam suivait la direction du bateau. Il suivait les sols, les petites herbes qui poussent au large. Là. Jusqu'à ce que Myriam va se retrouver, sans se rendre compte, dans la cour royale de Pharaon. Il s'est caché derrière les herbes. Et tout d'un coup, il a vu la porte du palais royal s'ouvrir. Il a vu une belle fille sortir. C'était la fille du roi Pharaon. Elle est sortie. Elle a vu le bateau dans l'eau.
Elle est allée prendre ce petit bateau. Quand il a ouvert, elle a vu le bébé le plus beau au monde. Quand elle a soulevé bébé, Frère Branham dit, le Dieu de la création, il a donné une tape sur les joues de bébé. Ensuite, Dieu a chargé une grande quantité d'amour maternel dans la fille de Pharaon. Quand bébé a pleuré, cela a réchauffé le cœur de la fille de Pharaon. La fille de Pharaon a fait un serment. Il dit, même ici c'est un bébé hébreu. Je suis la fille de Pharaon. Personne ne touchera mon bébé. C'est mon bébé à moi. Qui peut oser te toucher? Qui peut oser te toucher? Sans que Dieu, si Dieu n'a pas permis, personne ne te touchera. Frère Branham dit, aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec toi, il n'y a pas suffisamment de démons en enfer pour te tuer. C'est pourquoi la peur, c'est une malédiction pour l'église. Alors la fille s'est demandé, mais moi je ne connais pas encore les hommes. Je n'ai pas de lait maternel. C'est un bébé. Mais qui va allaiter pour moi ce bébé? Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Frère Branham, si moi, la frère Joël, j'étais là, j'allais poser la question à la fille de Pharaon. Mais pendant tout le temps que bébé était dans le Nil, qui allaitait ce bébé? Jésus, c'est la grand-mère aigre. El Shaddai. El Shaddai. Il a deux seins. Est-ce que tu es fatigué ce matin? Tu peux t'aider à ses seins. Yo, ma belle, na, tu vas retrouver les forces. Yo, so, ma, alors à ce moment-là, na, tango, quand elle s'est demandé comme ça, tango, mituni, bongo. Comme le frère Joël n'était pas là, yo, Joël, na, zaki, parce que Dieu me voyait le matin ici à la rédemption tabernacle. Alors l'ange. L'ange est allé dire à Myriam, à souffler, Myriam. Il dit, c'est l'occasion à ne pas rater. Va dire à la fille de Pharaon que je connais une bonne nourrice qui peut s'occuper de moi. Myriam avait peur. L'ange a dit, ne crains pas. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Myriam est fortifiée. Est allé répondre à la fille de Pharaon. La fille de Pharaon a dit, merci ma fille. Elle parlait à leur ennemi. Le bébé là, c'était l'homme qui allait détruire le royaume de son père. Il a dit, va m'appeler cette femme-là. Dis à cette femme-là, par semaine, je vais lui faire un salaire de 150 000 francs. Frère Branham parle de 300 dollars américains. Ça veut dire que chaque fin de mois, elle aura 600 000. En plus de cela, elle sera nourrie gratuitement. Elle sera logée dans le palais royal de Pharaon gratuitement. Elle sera même gardée. Frère Branham dit, c'est la seule femme au monde qui a été payée pour allaiter son propre bébé. Pendant que Myriam voulait partir, la fille a dit, Myriam, reviens. Comme tu sors dans le palais royal pour monter, tu dois avoir le mot de passe. Le mot de passe, c'est quoi? Le mot de passe, c'est Zani. Un tas de foin dans une fourche de foin. Si on te dit ça, tu réponds comme ça. Tu vas passer toutes les barrières. Et cela typifie quelque chose. Dans le royaume céleste de notre pays, pour entrer là-bas, tu dois avoir le mot de passe. Est-ce que tu l'as déjà reçu? Le mot de passe, c'est l'amour divin. Tout passera. Ta beauté va passer. Ton intelligence y passera. Ma prédication va passer. Les dons passeront. Les miracles vont passer. Mais l'amour est éternel. Le Saint-Esprit dans ton cœur. L'as-tu déjà reçu? Myriam est sortie. Elle a ramené sa main.
Il dit maman. Abi maman. Papa avait raison. Papa qui ne longa. On n'a pas perdu l'enfant. Donc, bon, tu vas voir la gloire de Dieu. Quand maman est arrivée. Tango maman komi. Oh, Dieu est bon. Je ne pensais pas que j'allais être dans mon temps. Il dit, elle est là. La fille de Pharaon a pris maman et Myriam. On a trouvé le plus beau appartement du palais là-bas au royaume. On l'a installé. Elle ne manquait de rien. Il dit, ta fille t'a déjà parlé, ton salaire. Tu ne manques de rien. Alors, tout ce que je te demande, jure-moi que mon bébé, elle dit que c'est son bébé, mais elle parlait à la vraie maman du bébé. Ne jouez pas avec Dieu. Il dit, jure-moi que tu ne vas pas laisser tomber mon bébé même par erreur. Mais comme le chrétien ne jure pas, Matthieu 5, 34 dit, ne jurez même pas au nom du ciel. Jochebed a dit, je te le promets, tu peux me faire confiance. En dehors de moi, tu ne trouveras pas une autre mère qui va mieux prendre soin de l'enfant. C'était un mystère codé pour la fille. Alors la fille de Pharaon, il dit merci maman. Je te paye même déjà une année par avance. Alors pendant qu'elle sortait, elle a refermé la porte derrière elle. Frère Branham me dit, Jochebed a déposé l'enfant sur le lit. Elle s'est mise à genoux. Elle a levé les mains. Elle dit, oh Seigneur, enfin je l'ai retrouvé. Et pourquoi je l'ai retrouvé? C'est parce qu'on avait accepté de le perdre pour Dieu. Quand la fille de Pharaon avait retiré l'enfant dans l'eau, Dieu a laissé même l'ennemi de Moïse lui donner le nom de Moïse. Elle a dit, comme je l'ai tiré des eaux, je l'appellerai Moïse. Dieu peut inspirer même tes adversaires pour t'élever. Qui avait élevé Joseph là-bas en Égypte? C'était pas Pharaon lui-même. Ne limitez pas notre Dieu. Il dit, je t'ai retrouvé. Parce qu'au départ, j'ai accepté de te perdre. Oh, mon chéri, Aram avait vraiment traité avec l'ange de Dieu. Est-ce que tu es prêt à perdre ta vie ce matin? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, toi qui n'as jamais été baptisé d'eau, l'occasion est tout indiquée. Les bras de notre Dieu sont largement ouverts. Ce n'est pas le temps de penser à ton pasteur. Je n'ai rien à voir avec ton pasteur. Je n'ai rien à voir avec ton église. La chose qui m'intéresse, c'est l'état de ton âme. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Écoute-moi très bien pour terminer. Toi qui es menacé à cause de ce message. Toi qui es abandonné à cause de ce message. Moi qui vous parle ici. Si je vous raconte mon témoignage, vous allez pleurer. Vous allez me dire, mais comment il arrive à prêcher? Apprenez à vous confier en Dieu. Il y a une sœur en Christ qui était traumatisée. Qui était tourmenté, qui était maltraité par qui? Son propre mari, païen de son état. La sœur ne voulait jamais manquer l'église. Un dimanche matin, elle se lève, bien habillée, pour aller à l'église. Elle a pris les contacts de la voiture. Le mari a dit, la femme l'a été tuée. Je vais te montrer que c'est moi le mari. Il a ravi les trousseaux des clés de la voiture. Il a jeté ça sur le fleuve. Ils étaient des riverains, ils vivaient à côté du fleuve. Il dit, maintenant je vais voir comment tu vas aller encore à cette église. Parce que l'église était très loin.
Si c'était toi, tu allais montrer sur quel bois tu te chauffes. Les femmes qui grondent les maris en les regardant droit dans les yeux. C'est la malédiction. C'est l'onction catholique. Tu n'es pas une catholique. Tu es un aigle. Tu es un agneau. La sœur a dit chérie. Toi, tu ne crains pas Dieu. Le mari a dit, si ton Dieu est Dieu, il n'a qu'à aller me retrouver les clés là-bas. Il a osé défier le Dieu que nous avons. La femme a fait demi-tour, elle est retournée dans la chambre. Elle a fermé la porte. Elle s'est mise à genoux. Et a dit, mon Dieu, aie pitié de mon pauvre mari pécheur. Que ta volonté soit faite. Elle s'est levée. L'inspiration la frappe. Quand elle sort, regardez-la parler à son mari. Dit chérie, comme tu m'as empêché d'aller à l'église, maintenant je vais aller au marché t'acheter à manger. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te prépare? Est-ce que toi tu pouvais faire comme ça? Est-ce que, sois honnête, est-ce que toi tu d'abord, tu ne l'appelles même pas chérie. Tu appelles ton mari Yaya. Ton mari, ce n'est pas ton grand frère. Si c'est ton grand frère, donc tu commets inceste avec lui. Quand le pasteur Paul vous avait marié, il avait dit, est-ce que tu promets de le chérir? Oh, Sarah appelait Abraham. Ah, Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Toi et ton mari, vous n'êtes pas parenté. Appelle-le chéri. Comme le mari aime manger, comme les païens. Manger, c'est même plus qu'aller à l'église. Chéri, toi-même, tu connais mon plat préféré. Non? Moi aussi, j'aime le poisson là. Comment on appelle Kombe Kimi. J'ai oublié le nom français. Il dit, va m'acheter le poisson là. Vous savez, Dieu est dans les petits détails. Pendant que la femme allait au marché, en chantant, cette croix là, il doit la porter sur moi aussi, j'ai ma part, je dois porter la croix. Même dans les souffrances, Seigneur aide-moi. Même dans les épreuves, Seigneur garde ma joie. Et quand elle arrive au bord, là-bas au port, pour avoir le poisson frais, il dit, si je vais au marché, c'est deux fois le poisson d'hier avant-hier. Mon mari, je dois lui préparer quelque chose de frais. C'est ça la femme. Mets ton mari à ta place. Quand il arrive là, il est allé jusque là où il y avait les pirogues, parce que les poissons qui venaient d'être pêchés. Il dit, moi je veux le poisson, le gros, le joli poisson. Combien? 15 000 elle a pris. Elle a pris le poisson dans le sas, elle est rentrée. Quand elle est arrivée à la maison, chérie dit, tu as eu mon poisson? Il dit, chérie, ça c'est frais. Alors elle rentre dans la cuisine, elle prend une cuvette, elle met l'eau, elle a sorti son poisson, elle a plongé dans l'eau, elle n'a pas mis l'eau sur le poisson, ça c'est l'aspersion, nous on asperge pas les gens, ça, nous ne sommes pas les catholiques, mais nous on vous plonge dans l'eau, elle a immergé le poisson dans l'eau, je te baptise dans l'eau. Elle a pris le couteau. L'épée signifie la parole. Elle a coupé. Quand elle a morcelé le poisson, elle a entendu là-bas. Glan, 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 glan. Oh, praise the Lord. Elle a dit, mais c'est quoi? Elle a plongé la main. Quand elle sort, le trousseau des clés de sa voiture. Si tu perds quelque chose à Dieu, tu vas le retrouver. Elle a fini de préparer. Elle a dressé la table. Il dit, chérie, la table est prête, viens manger. Quand le mari est monté tout joyeux là, les frères qui ne sourient que devant la nourriture, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le mari a commencé à manger, sans même prier. La femme a dit, on ne mange pas comme ça. Tout est sanctifié par la prière. Avant de manger, prie d'abord. Il dit, ah, laisse-moi ça. Toi-même, prie.
La femme a béni la nourriture. Le mari a pris la fourchette. Quand il met le premier morceau dans la bouche. Oh chérie, tu connais préparer. Hein. Il dit dans votre église là. On vous enseigne même comment bien préparer comme ça. On ne se moque pas de Dieu. À ce moment là, la femme a sorti le trousseau. Elle a commencé à rêver. Il dit chérie. Le mari a dit, ah, le morceau de poisson est tombé. Il dit, ça c'est le trousseau de clés que j'ai jeté là-bas. Il dit, c'est cela. Comment as-tu fait pour recevoir ça? Il dit, tu as défié mon Dieu. J'ai perdu les clés à cause de Dieu. Et j'ai retrouvé mes clés ce matin. Le mari a dit, je ne mange plus. Je n'ai jamais vu un Dieu comme le tien. Elle s'est mise à genoux devant sa femme. Elle dit, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Que ton Dieu me pardonne. Appelle le pasteur Paul. Dis-lui, à compter d'aujourd'hui, je deviens membre de la rédemption tabernacle. Et pourquoi tout cela? C'est parce qu'elle avait accepté de perdre. Est-ce que tu veux perdre quelque chose ce matin pour Dieu? Pendant que nous nous mettons debout. Est-ce que tu veux perdre quelque chose pour Dieu ce matin? Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Le pasteur a annoncé une ligne de prière. Je vais vous donner un secret. Si tu n'as pas la foi, moi je te déconseille d'entrer dans la ligne de prière. On n'essaye pas notre Dieu. Si tu crois, viens. Si tu ne crois pas, reste à ta place. Frère Branham était devant une ligne de prière. Les gens passaient. Il me reste encore 3 minutes. Une femme entre dans la ligne de prière. Elle était assise là-bas à côté de son mari. Quand elle arrive, les autres frères Branham me disent, tu es délivré. Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Et quand elle arrive, frère Branham m'a dit, madame, maintenant même, sans tarder, retourne. Mets ton cœur en ordre avec Dieu. Terminé. La ligne de prière continue. Quand elle est retournée à sa place, au lieu de faire ça, elle demande à son mari, chérie, ça veut dire quoi? Elle est tombée, crise cardiaque, elle est morte. Ce n'est pas un amusement ici. Est-ce que tu crois en notre Dieu? Tu es prêt à perdre cette maladie pour gagner la bonne santé? Que le Seigneur vous bénisse tous.